Salut Sedan, aujourd'hui je vais te montrer comment trouver le tempo d'une musique que tu as envie d'apprendre si tu n'as pas le tempo. On se retrouve dans quelques instants en vue frontale et je te montre ça. La chanson dont je souhaite trouver le tempo, c'est une chanson de Francis Cabrel qu'il a postée sur sa page Facebook. Durant le confinement, il postait chaque jour, en tout cas sa fille postait chaque jour une vidéo de lui avec où il interprète une de ses chansons acoustiques. Et il essayait de ne pas jouer les chansons que tout le monde connaît, qu'il joue d'habitude en concert. Et donc ici, il s'agit de questions d'équilibre. On va lancer la vidéo. Et puis, pour trouver le tempo, je vais simplement taper le tempo. Donc, on se concentre et on essaye. Et je vais taper jusqu'à ce que le nombre ne change plus trop, quoi. Donc ici, ça a l'air de se stabiliser à 138. Évidemment, si je me déconcentre, ça va bouger. Il est possible que lui aussi bouge, hein, malgré que c'est Francis Cabrel, peut-être que... Mais non, il a l'air d'être dans le rythme. Voilà, on va dire que c'est 138 pour arrondir à un nombre pair. Je vais pouvoir prendre mon métronome et m'entraîner. Je n'ai plus qu'à allumer mon métronome, à paramétrer 138, d'augmenter un petit peu le volume, et puis je suis parti, je n'ai plus qu'à m'entraîner. Ok, mais c'est quoi cette application et comment je l'obtiens? Cette application, c'est ChubbyClick. C'est une application open source gratuite qui ne demandera aucune autorisation pour s'installer. Et elle s'obtient via le magasin d'applications open source et alternatif à Google Play qui s'appelle F-Droid. Toutes les explications sont dans la description. Je débute sur YouTube, alors si tu souhaites me soutenir, tu peux simplement t'abonner et mettre un petit pouce en l'air, et je suis sûr que ça m'aidera. Je te remercie.